Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry. Merci d'être là, fidèlement connecté, pour louer, partager, prier. Dites-moi d'où vous êtes ce matin, la belle ville, le beau pays. N'hésitez pas à connecter d'autres personnes à cette matinale en cliquant sur partager. Peut-être des gens que vous connaissez. Partagez cette matinale-là. Et abonnez-vous également, la petite cloche, vous pouvez vous abonner, ça ne coûte rien. Alors, merci de votre fidélité. On va démarrer cette matinale. Envoyez-moi vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, si je ne l'ai pas déjà dit. Alors, et on démarre avec ce merveilleux chant, « Je reviens au cœur de la louange ». On y va ensemble. Le chanteur brûlé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus que beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. T'es centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout dans toute ma vie. J'apporte plus que beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. T'es centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi, Oh oui, tout est centré sur lui. Le thème de ce matin, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons lire dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Vous savez, court texte ce matin, Jésus est venu et nous a du début rassurés en disant dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Vous savez, dans le contexte ici, Matthieu écrit les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, notre texte de ce matin met l'accent sur un vaccin.
contre l'anxiété et l'inquiétude. Jésus sait très bien que la nature humaine, elle est centrée sur son trésor, l'argent. Il connaissait la racine de leur problème. Jésus veut vraiment que les gens prennent le temps de réfléchir pour mettre leurs priorités à la bonne place et il désire qu'ils comprennent que c'est pas optionnel, c'est vital. Au travers de la Bible, nous voyons Dieu pourvoir pour son peuple. Partout, Dieu veut pourvoir pour son peuple. Dieu veut intervenir pour son peuple. Même s'ils ont fait des boulettes parfois, s'ils sont repentants, Dieu les restaure, Dieu les bénit. Peu importe aujourd'hui ce qui semble de nos yeux ne pas prendre place ou ce qui tarde, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter car lui ne change pas. Il ne change pas. Il nous dirait sûrement parfois, à cause de certains sourcils ou certains soucis d'inquiétude, il nous dirait sûrement, ne vous inquiétez pas. Vous êtes la prunelle de mes yeux et je ne vous perds pas de vue. Ça dit dans Zacharie 2:12, car voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à quoi? À la prunelle de son œil. Wow! Quel texte! En tous les cas, moi, ça me rassure d'avoir un Dieu aussi intensément concerné pour moi et qui me place derrière lui en disant, hey, ennemi! en disant à mon ennemi, hey, il est la prunelle de mon œil. Don't touch, no touch. Tu ne touches pas. Alors, si nous prenons l'habitude de chercher Dieu, premièrement, jamais nous allons manquer de quoi que ce soit. Comprenons que notre perspective de la vie devrait être complètement différente de ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est vrai. Saisissons cela. Notre perspective de la vie ne devrait pas être, devrait être complètement différente de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Absolument. Moi, ma perspective, elle a changé il y a 39 ans. On voit la vie différemment parce que nous avons une espérance absolument incroyable. Et nous servons celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Il y a beaucoup de sujets de prière ce matin. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ceux et celles qui ont besoin d'un travail. Merci d'ouvrir les écluses des cieux et de leur donner au-delà de leurs attentes. Merci d'honorer la foi de ces hommes et ces femmes. Merci de les combler, de les bénir matériellement, financièrement, spirituellement. Merci Seigneur de ta fidélité. Merci Seigneur pour ceux qui doivent faire des stages et merci de leur donner cette facilité et que tu puisses les bénir et les conduire. Merci pour ceux qui ont besoin d'un logement. Plusieurs ont besoin d'un logement et je prie que tu puisses leur donner ce qu'il y a de meilleur. Merci pour ceux qui doivent mettre leurs priorités à la bonne place, qui doivent prendre des décisions aujourd'hui, qu'ils puissent se positionner devant toi. Et, Seigneur, avec reconnaissance, t'honorer à travers leur vie, à travers leurs choix. Seigneur, merci pour ceux qui vivent des pressions au travail, qui vivent... Je reçois souvent ces prières, Seigneur. Il y a des gens qui vivent des pressions, parfois des injustices même. Merci de leur donner la capacité d'accepter cela et de demeurer cet employé modèle. Merci
pour Alizée. Continuons à t'élever, Alizée, 34 ans, cette jeune maman, afin d'entrer, d'enrayer toute trace de cancer, de déployer ta puissance de guérison, ta puissance du miraculeux, Seigneur. Merci, souffle un vent de guérison sur elle maintenant. Sur Monique également, tu souffles un vent de guérison sur Monique. Plus, aucune trace de cancer dans son corps. Merci pour Mumu, Seigneur, qui a eu des soucis de grossesse et qui doit rester maintenant à la maison et faire attention. Seigneur, merci que le bébé soit en sécurité, que la maman aussi, et qu'il soit en santé surtout. Et que cette grossesse, Seigneur, puisse donner un merveilleux bébé en santé. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de leur donner ce que leur cœur désire. Et Seigneur, merci pour qui ils sont. Merci pour ce jour que tu nous donnes de vivre, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Nous la confions entre tes mains. Amen. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi. Centré sur toi. Oui, tout est centré sur lui, n'est-ce pas? Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.